moment de panique dans ce camp de réfugiés albanais. Les militaires de l'armée serbe, en route pour Belgrade, viennent de décharger leur Kalachnikov devant le campement albanais, pourtant gardé par la police. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Tout au long de la journée d'ailleurs, les Albanais du Kosovo n'en ont pas cru leurs yeux. L'armée yougoslave d'abord, puis les civils serbes, fuient à leur tour le Kosovo. Cruelle ironie du sort, le parcours des exilés serbes est exactement le même que celui des Albanais quelques semaines auparavant. Voici le col de Kula, entre le Kosovo et le Monténégro, 2000 mètres d'altitude. Aujourd'hui, c'est l'un des endroits les plus dangereux de la région. Snipers de Luceka ou soldats isolés y font régner la terreur. Pourtant, sur ces pentes, la colonne des réfugiés s'allonge chaque jour un peu plus. J'ai peur de mourir. Je suis vieille, mais j'ai peur de mourir et d'être tuée par les sauvages. Dieu n'y peut rien. J'ai un pistolet, mais je ne peux pas lutter contre Luceka. Avec leurs armes, ils viennent chez nous et détruisent tout. On doit tous partir. Et malgré l'arrivée des soldats italiens ce matin, les familles serbes ont poursuivi leur exode vers le Monténégro. J'ai plus la force de parler. Tout est fini. Laissez-moi. Au moment où la communauté internationale évoque la paix et le retour de l'ordre au Kosovo, un nouveau drame se joue aux portes de la Serbie et du Monténégro. En ce moment même, plus de 200 000 Serbes seraient en train de quitter le Kosovo. Autrement dit, après le départ des Albanais, les Balkans sont en train de vivre une nouvelle catastrophe humanitaire.